Mesdames et messieurs, en pensée avec notre cher Léonard, avec Anouk, nous avons le plaisir de vous dire bonsoir à vous tous qui êtes venus si nombreux, de près mais aussi de loin, pour le vernissage d'Enquête et d'Enfance. Pour terminer, nous sommes certains que notre cher Léonard, d'où qu'il soit, nous surveille et nous espérons que cette exposition lui plaise. Maintenant, nous avons le plaisir de passer la parole à François. Mesdames et messieurs, et plus spécialement, chère Sylvia, cher Christophe et cher Mathias, je me permets cette brève intervention tout d'abord pour témoigner à toutes les personnes qui se sont manifestées de différentes manières après le décès de papa ma plus profonde reconnaissance. Tous ces gestes de réconfort m'ont été précieux. Et maintenant, avant de passer la parole à Christophe, une surprise qu'avait préparée papa pour Christophe, la compagnie Rossini. Merci. Cher François Canada, quelle surprise, hein, ce soir. C'est un grand cadeau. Merci bien. Compagnie Rossini, le comte de Grison, de Sosselva, ce sont, c'est une chose, la nature est une banque, la beauté de lui, c'est la même chose que Albert Frank. Merci bien. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer une exposition unique
sous le titre Anke et l'enfance. Mais, mesdames et messieurs, c'est avec regret et douleur que nous devons accepter l'absence de Léonard Janada. Je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir vous lever en honneur de Léonard. Merci, mesdames et messieurs. Réjouissez-vous, mesdames et messieurs, allez admirer l'œuvre de cet artiste exceptionnel qui était Albert Anke, et en même temps, admirer ce palais d'art de Léonard Janada qui fait possible cette exposition. Merci, Léonard. Et merci à la banque pour la soirée. Et maintenant, nous avons le plaisir d'écouter Mathias Prévert qui va nous parler de cette belle exposition. Mathias. Mesdames et messieurs, was für eine schöne Musik. 20 ans après la rétrospective sur l'artiste Albert Anke, la Fondation Pierre Janada présente aujourd'hui l'exposition thématique Anke et l'enfance. Le fait que Léonard Janada ne puisse inaugurer cette exposition nous apprécie tous profondément. Mais il y a encore plus. Anke est un des grands réalistes de l'art. Ses représentations d'enfants sont vraies, intemporelles et actuelles. Je vous souhaite beaucoup de plaisir en découvrant Anke et l'enfance. Je vous remercie. Merci la compagnie pour réaliser un des grands souhaits de Léonard d'allier la peinture, les beaux-arts et la musique. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle soirée. Merci d'être là et santé à tous. Au revoir.